Donc, moi, je pense que nous faisons une bonne séance de travail matin. Hein? Nous parler pour nous faire caravane demain matin. Nous rappelons tout le monde que le départ là, c'est 5h du matin, Pétionville. Nous sommes pas au Prince. Nous descendons. Le premier côté que nous avons campé, c'est dans Petit Gouave. Pour que ça nous vienne dans l'hôpital, nous dans le Petit Gouave, c'est parce que dans la caravane là, dans l'aide que Jasper a apporté par le pays, les gens qui sont victimes dans les affaires cyclones, nous gagnons et bien matériel pour l'hôpital justement. Nous-mêmes, nous ne partageons pas. Fait seulement de l'humanitaire. C'est pas à chaque fois qu'on cyclone, qu'on tremblement de terre, et puis nous tout à courir là, chercher pour là, chercher tout ça. Il faut commencer à mettre matériel, équipement, pour nous avoir des capacités d'intervention à institutions et entités qui sont importantes dans le pays. La caravane continue, nous sommes à notre deuxième stop, c'est le deuxième côté d'Aprité, encore une fois, avec et la délégation de cette caravane, délégation de la diaspora, et puis sous le leadership de l'honorable député Jerry Tardieu. Cette fois-ci, nous sommes à la ville d'Ak. Tout d'abord, comme dit diaspora, merci. Avant ou bien mon ami, collègue Tardieu. Premièrement, c'est diaspora, parce que mais c'est mon honorable collègue qui fait interface là, qui permet que nous atterrions là, centre de Ak. Réellement touché. Par rapport à vulnérabilité, précarité, la vie, mon côté à vivre dans le bord de mer avec Port Saint-Louis que nous allons visiter. Moi, satisfait puisque c'est Haïti d'abord. Nous voyons qu'il y a une politique qui fait, différents leaders, différents députés, sénateurs, qui ont différentes partis politiques. Son solidarité parlementaire qui allait au-delà des appartenances politiques. Et c'est exemple ça que nous avons fait. Et tout le pays a, et que les Haïti engagés, nous tous mettons nous ensemble, nous ne pouvons pas connaître côté de nous, dans qui parti politique nous sortit, il y en a de l'autre, il y a une côté de l'autre. Nous avons entamé une initiative de collecte de une série de donations qui pouvaient courir dans la capacité des institutions sanitaires, hospitalières, médicales, et nous avons et à fond il faut qu'on ça pour ne pas penser à dire que je n'ai pas de là. Je remercie les collègues Jerry Tardieu qui comprennent que le sud de la terre affecté est toujours bon côté. Là, il vient montrer vraiment que c'est frère original là. Il faut que le sud de la terre et vous voyez mon trêve politique. Parce que va débuter là la salle de supporter, c'est tout débuté dans le sud. Nous avons un coup de chapeau pour tous les amis de diaspora qui pensait à aider nous après cyclone là. Et bien, l'MT référé, docteur Routier, me connaît qu'elle l'a pris côté de la supposée. L'institution a servi les gens qui sont mal, les gens qui défavorisés, les gens qui plus marginalisés. Et bien là, quand on a continué, nous allons saluer, nous allons aller tout Châteaubec. Début de temps, nous faisons plusieurs arrêts stop, quand on a continué, le premier arrivé là, nous sommes Tobek. C'est avec l'honneur Jerry, nous passons là, le début de Charlie de Boumoué. Où t'es relé pour te dire? Comme une classe net, même pas de penser dans l'état ça. Je ne suis pas là pour faire un je dis que je faut plus passer. Même pas de m'attendre que le tape vini avec des aides pour nous. Je ne pas penser ça. En tant que frère, son collègue qui m'apprécie et son équipe qui est très positif. D'abord, son équipe qui croit dans le développement, qui croit dans le travail, même j'avais, qui construit des trucs. Et ça fait une relation étroite en deux balles. Toujours à Port Saint-Louis, c'est peut-être la dernière étape, dernier stop que nous avons fait. Et nous remarquons que nous toujours stoppés dans l'hôpital. C'est très important puisque nous avons pris l'équipe médicale. Je voulais remercier dans le monde de Port Saint-Louis, caravane qui passait visiter le monde de Port Saint-Louis, socialement dans l'hôpital à servir Port Saint-Louis. Et depuis là, donc nous n'avons pas oublié. Au niveau de l'hôpital là, donc nous avons des sérieux besoins. Ça qui t'a frappé sur la route, c'est tristesse, désolation avec ravage que le cyclone l'a fait. Nous regardons toute plantation paysanne ravagée, moi toute chambre à terre. Son bagage qui fait mal en pile comme haïtien. Mais malgré le paysage ravagé, malgré mon dos calé, on va regarder où est Haïti, son bel pays. Nous ne pouvons pas quitter rien décourager nous. Haïti, c'est une plus belle pays qui est dans le Caraïbes. On met tête ensemble pour nous développer, pour nous sauver. Que mon Dieu bénisse.